Carlos Camille, de notre premier qui vient d'être libéré. Nous avons prévu d'organiser une grande fête de Vanderlei à l'Olimara. Nous allons reporter cette fête parce qu'il est hors de question de l'annuler. Vive la merde! Donc nous allons trouver la possibilité d'exprimer notre joie, de retrouver nos camarades de lutte qui ont fait preuve d'un courage extraordinaire, d'une dignité remarquable. Ils sont là. Je voudrais, à ce stade, leur dire toute notre admiration, notre respect, notre considération face au courage et à la dignité dont ils ont fait preuve pendant cette épreuve. Je ne vais pas les nommer, ils sont nombreux. Vous avez tous refusé l'intimidation. Vous avez tous refusé la corruption. Vous avez dit non. Vous avez dit non à l'injustice. Vous avez dit non au vol. Vous avez dit non au mensonge. Donc déjà dit, nous allons organiser une grandiose manifestation pour célébrer votre libération. Et bien entendu, rendre hommage à ceux qui ont pris la responsabilité de vous libérer de toute charge. Donc, comme vous le savez, il fait tard, le couvre-feu c'est à 22h. Depuis le matin, depuis hier, les gens attendent ce retour-là. Nous voulions faire une tournée dans la ville. Toute la population était mobilisée pour sortir vous applaudir. Applaudir votre courage et votre dignité. Applaudir votre libération. Mais je dis, on se concertera avec les autres forces vives qui avaient des prisonniers pour voir si on peut organiser ensemble cette fête pour célébrer votre libération. Pour célébrer. Pour célébrer le retrouvailles, parce que vous avez été injustement arrêtés, incarcérés par le régime totalitaire. Donc, nous venons de tourner la page douloureuse. Nous allons parler de l'avenir, mais ce sera pas aujourd'hui, nous nous préparons pour l'avenir. Merci pour votre courage, merci pour votre bravoure, nous sommes fiers de vous. Je voudrais avant de terminer. Avant de terminer, rendre hommage à nos avocats. Nous sommes tous les avocats. De l'ANAD, de l'UFDG et du FNDC. Des avocats compétents, disponibles, désintéressés. Qui ont tout bien ménagé pour être à côté de nos prisonniers. Pour les défendre contre l'injustice. Pour les défendre contre cette détention arbitraire. Je voudrais en votre nom les féliciter. Le programme de la fête sera communiqué dans la journée de demain. Je sais que les militants de la démocratie, les partisans de la démocratie ne sont pas contents puisque vous avez été libérés très tard et n'ont pas pu vous applaudir. Mais ce n'est que chose remise. Nous allons le faire. Toute la population de Conakry va se mobiliser pour se réjouir de la fin de l'injustice qui vous frappait. Merci beaucoup et nous comptons sur vous. Nous allons donner la précision, l'itinéraire, le point de départ et le point d'arrivée de cette marche de réjouissance.
saluer votre libération et exprimer notre gratitude à ceux qui ont pris le contrôle du pays à juste raison et pour que le monde sache que les prisonniers politiques ont été libérés. Merci. Je vous repose pour la journée de demain et soyez prêts à revenir pour faire le tour de la vie.